Salmoni. Herr Salmoni kommt aus Italien. Er spricht aber Französisch. Die meisten von euch, viele von euch werden es verstehen. Ich werde es aber übersetzen und ich werde auch versuchen, ohne Mikro laut genug zu sprechen. Versteht ihr mich gut hinten? Okay, also wir versuchen es. Bonjour. Et alors je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ich werde also euch berichten, was mir geschehen ist im Zweiten Weltkrieg. C'est-à-dire que l'Italie du Nord avait, et du Centre aussi, à un moment donné, et avant, le gouvernement italien était allié avec les nazistes, et les fascistes étaient alliés des nazistes. Also zu Beginn Mais, waren die Faschisten in Italien mit Hitler-Deutschland verbündet. Et la première période de la guerre était une période de victoire des nazistes et des fascistes. Die erste Zeit des Krieges war eine Zeit der Siege für die italienischen Faschisten und die deutschen Nazis. Mais après, il y a eu un changement très fort. En Russe, les nazis et les Italiens aussi avaient participé, étaient arrivés à Stalingrad, mais ont commencé à revenir en arrière. Les Russes ont fait un contre-attaque et la même chose est arrivée aux troupes italiennes en Afrique. Also, das ging bis in Russland, die Wende kam vor Stalingrad, die Russen einen Gegenangriff gemacht haben und die Deutschen und auch ihre italienischen Verbündeten zurückweichen mussten. Und das Gleiche ist eigentlich passiert in Afrika. À ce moment-là, après, il y a eu un débarquement américain en Sicile et puis en Italie. Et alors, es gab also eine alliierte Landung von Afrika aus in Sizilien und Süditalien. À ce moment-là, l'Italie a décidé de se rendre, enfin de cesser la guerre contre les Anglo-Américains. In dem Moment hat sich Italien entschlossen, den Krieg aufzugeben gegen die Briten und Amerikaner. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de soldats nazis en Italie. Et comme les soldats italiens n'avaient pas été organisés par leur supérieur, ils ont pensé la guerre est finie, ils sont enlevés l'uniforme militaire et quelqu'un a réussi à rentrer chez soi. Also die italienischen Soldaten haben dann gesagt, so der Krieg ist zu Ende, haben ihre Uniform ausgezogen und sind nach Hause gegangen. Und in dem Moment, mais des autres ont été fait prisonniers par l'armée naziste. Und in dem Moment sind eben die viele Deutsche eingerückt und haben ihre italienischen bisher Bündnisgenossen gefangen genommen. À ce moment-là, l'Italie était un pays occupé, comme il était arrivé pour la France, la Belgique, l'Hollande et d'autres nations. Non? Italien war jetzt ein besetztes Land wie andere Länder, wie Frankreich, Belgien, Holland. Et à ce moment-là est arrivé aussi que plusieurs jeunes Italiens ont commencé à organiser des groupes de résistance. Also das war der Zeitpunkt, wo dann einige junge Italiener Widerstandsgruppen gegründet haben. Mais à côté, il y avait
persécution des Juifs. Alors moi, j'étais d'une famille pas religieuse, mais vous savez, à ce temps-là, c'était pas la religion qui comptait, mais on disait c'est la race. Vous êtes d'une race différente. Also da setzte dann auch die Judenverfolgung ein. Und Herr Salmoni kommt aus einer Familie, die nicht religiös war, aber zu der Zeit zählte eben nicht die Religion, sondern man sagte, du bist von einer anderen Rasse. Maintenant, je m'aperçois et je dis, voilà, la race, disons, de premier ordre était la race ariane, dont on parle plus de plus longtemps, non? Mais à ce moment-là, il y avait des scientifiques qui ont étudié et démontré qu'il y avait une race ariane. Et la chose qui me fait rigoler, c'est que la race ariane devait avoir les yeux bleus et les cheveux blonds, et moi j'avais les yeux bleus et les cheveux blonds, et M. Hitler avait les yeux noirs et les cheveux noirs. Donc c'était une... Et M. Goebbels aussi, non, qui était le ministre de la propagande naziste, c'est vraiment quelque chose qui fait rigoler, enfin. Si c'était pas une tragédie, au contraire, non? Es gab eben damals Wissenschaftler, die erklärt haben, es gäbe eine höhere Rasse, eine arische Rasse. Und Salmoni muss lachen, wenn er daran denkt, dass es gesagt wurde, also Arier seien blauäugig und blond. Denn er hatte blaue Augen und hatte helle Haare. Und Hitler hatte eben dunkle Augen, dunkle Haare. Und genauso Herr Goebbels, der Propagandaminister, ist eigentlich sehr komisch, wenn es eben nicht auch eine Tragödie wäre. Nous avons beaucoup d'amis qui étaient chrétiens, disons, et quelqu'un nous a dit, parce qu'on connaissait déjà ce qui arrivait. À Genova, Gênes, c'est la ville où je vivais, on savait déjà qu'il y avait des douches qui n'étaient pas de vraies douches, mais qui donnaient un gaz. Et on connaissait le nom de Auschwitz et on connaissait aussi le nom de Theresienstadt. Also in Genua, wo Herr Salmoni herkommt, wusste man schon von Auschwitz, man wusste, dass es Duschen gibt, aus denen kein Wasser kommt, und man wusste schon von dem Töten der Juden. So, on savait bien ce que le risque que nous courons. Et alors, il y a eu des amis qui nous ont dit, ils avaient une villa dans la rivière, le long de la mer, non? Ils nous ont dit, si vous acceptez de ne jamais sortir et vous faire voir, vous pouvez venir chez nous. Et nous avons acheté tout ce qui vous servira. Pour manger, mais vous devez rester chez vous, tranquille, et pas jamais sortir, parce que il y avait aussi une taille, je ne sais pas le mot français, une taille, comme pour les, vous voyez dans les westerns, les types qui ont fait quelque chose de mauvais, qui vous lisez 10 000 dollars, à qui fait trouver ce type-là. Alors, pour les Juifs en Italie, il y avait quelque chose qui est d'équivalent à 5 000 euros. Si vous disiez, voilà, là habite un Juif. Also, man wusste also, was das Risiko ist für die Juden. Und damals gab es Freunde, die haben gesagt, wir haben ein Haus an der Küste. Und wenn ihr uns verspricht, dass euch nicht zeigt, nicht rauskommt, euch nicht erwischen lasst, dann könnt ihr euch dort verstecken und wir versorgen euch mit allem, was notwendig ist. Denn damals gab es schon so Art Steckbriefe, wo also dann gesagt wurde, wer
Juden verrät, wer Juden abliefert, der bekommt eine gewisse Belohnung, eine gewisse Summe Geld. C'est pour cela qu'ils nous ont dit, vous ne devez pas sortir de la maison, parce que s'il y a quelqu'un qui dit, je ne connais pas, il y a des gens nouveaux, peut-être ce sont des juifs, enfin. Et alors, on a resté plusieurs mois, du mois de septembre jusqu'au mois d'avril, fermés. Dans la maison. En 43, 44, oui. Okay. Also, es war damals eben schon gefährlich, weil es eben auch Leute gab, die gesagt haben, oh, da sind neue Gesichter, die kennen wir nicht, die sind verdächtig. Und so sind sie dort geblieben von Dezember 43 bis April 44. À un moment donné, nos amis nous ont dit, la Wehrmacht a décidé de venir habiter dans cette villa et nous a demandé de laisser la maison libre. Personne ne doit rester à la maison là. Et dann kam der Moment, wo die Freunde gesagt haben, die Wehrmacht hat uns informiert, dass sie die Villa beziehen werden und dass sich hier niemand mehr aufhalten darf. On ne savait pas que faire. Et on a décidé d'essayer de passer en Suisse. Et on est allé dans un village de montagne où il y avait des gens de montagne, enfin des guides, qui nous ont conduits la nuit. Nous sommes arrivés tard le soir. Probablement quelqu'un nous a vus. Nous étions 6 personnes avec de grands bagages. On est parti sur la montagne la nuit. Malheureusement, il a commencé à pluire et puis à neiger très fort. Also, wir wussten nicht, was sie tun sollten und wollten dann versuchen, in die Schweiz zu kommen und sind in ein Bergdorf gegangen, zu 6, und haben dort einen Bergführer gesucht und sind spät abends angekommen und wollten dann nachts in die Berge über die Grenze, und es hat leider geschneit und geregnet. Et comme ça, on était arrivé à la frontière, un pas de montagne, non? Environ un peu moins de 3000 mètres, mais enfin assez haut. Et les deux qui montagnards nous ont dit, vous n'avez qu'à descendre, mais on peut se reposer 5 ou 10 minutes. Et dans ces 5 ou 10 minutes, des fascistes sont arrivés. Also, sie sind dann auf einen Bergpass in knapp 3000 Meter Höhe gestiegen, und die beiden Bergführer haben ihnen dann gesagt, so, das ist jetzt die Grenze, auf der anderen Seite könnt ihr alleine runter, aber ihr könnt jetzt erstmal 5 bis 10 Minuten Pause machen. Und in diesen 5 bis 10 Minuten sind dann eben die Faschisten gekommen. Hey, nous avons dit, nous sommes perdus, enfin. Et on a passé plusieurs prisons avec on demandait quelque chose, on appelait une personne parfois et on faisait des questions, posait des questions, et nous étions préoccupés des tortures, parce que nous pensions peut-être qu'ils veulent connaître le nom de ceux qui nous ont protégés jusqu'à maintenant. Also, sie haben gedacht, dass jetzt sind wir verloren und sind durch mehrere Gefängnisse gegangen und waren dort vor allem der Folter ausgesetzt und haben immer überlegt, was wollen sie von uns wissen? Na, sicherlich die Namen von denen, die uns unterstützt haben, die uns geholfen haben. Heureusement, on ne nous a pas demandé ça. Et enfin, ça a été un dialogue très bref, sans conséquences. Glücklicherweise haben sie uns das nicht gefragt
Und es war eine sehr kurze Unterhaltung ohne Folgen. Allora, à un moment donné, on était dans un camp gouverné par les SS en Italie, près de Modena, qui est en Et on a décidé de vider le camp et de nous envoyer quelque part. Sie waren in einem Lager der SS in der Nähe von Modena und das Lager sollte geleert werden und sie sollten nun verschickt werden, deportiert werden. Et malheureusement, mes parents et ma sœur qui avaient été blessés par un mitraillement aérien ont été envoyés à Auschwitz. Et mon frère aîné, qui avait 14 ans environ, plus que moi, et moi-même, nous sommes été envoyés à Buchenwald. Nous avons vu sur le train, sur le wagon, écrit Buchenwald et on n'avait jamais entendu ce nom. Et on a vu Auschwitz et on a dit c'est fini. Also leider wurden die Eltern von Herrn Salmoni und seine Schwester, die verletzt war, weil sie von einem Flugzeug beschossen wurde, nach Auschwitz deportiert. Und er kam mit seinem älteren Bruder, der 14 Jahre älter ist ungefähr, nach Buchenwald. Und sie haben auf den Waggons gesehen, Buchenwald, und das sagte ihnen nichts. Und auf den anderen Waggons haben sie gelesen, Auschwitz. Und dann haben sie gesagt, jetzt ist alles vorbei. Alors Buchenwald, on s'attendait rien de bon, mais on avait, c'était un mot, un endroit qu'on connaissait pas. Et on a fait 3 jours de voyage, 2 ou 3 jours, je me rappelle pas bien. Also Buchenwald sagte ihnen nichts, aber es war klar, das konnte nichts Gutes bedeuten. Und sie waren dann 2 oder 3 Tage unterwegs. On nous donnait quelque chose à manger quelques fois et on nous faisait descendre pour faire quelque chose aussi. Mais à la fin, nous sommes arrivés à Buchenwald à 3 heures de la nuit parce que nous avions encore une montre pour regarder quelle heure était. Also, sie kriegten ab und zu etwas zu essen, sie durften noch mal aussteigen, aber ansonsten waren sie die ganze Zeit unterwegs und sie kamen schließlich um 3 Uhr nachts an. Und das konnten sie feststellen, weil sie ihre Armbanduhren noch hatten. Enfin, le matin, on nous a appelé, on a ouvert les portes de la maison où nous avons été mis. Et on a commencé à voir qu'est-ce qu'il arrivait. Also am Morgen wurden eben die Türen von dem Gebäude, in denen sie dann erstmal gesteckt wurden, geöffnet. Und nun fragten sie sich, würden sie sehen, was eben geschehen würde mit ihnen. Alors, on a, nous a conduit dans un bâtiment et on a posé nos choses. Ils nous ont dit, vous allez faire la douche. Also, sie kamen in ein Gebäude und haben ihre Sachen dort abgelegt und dann wurde ihnen gesagt, so jetzt werden sie duschen. Ah, la douche. On craignait que c'était une douche pas vraie, enfin. Et on s'est déshabillé, on est allé à la douche, on a regardé et heureusement, il y avait de l'eau qui tombait. Also sie dachten dann, es seien keine richtigen Duschen und hatten Angst, aber sie mussten sich ausziehen und gingen dann unter die Dusche und haben geguckt und Gott sei Dank kam dann richtiges Wasser raus. Un peu gelé, un peu trop chaude, mais enfin ça, c'est là, je pense que ce n'est pas...
C'est la question de la, de régler la, de, la température. Ça, je ne pense pas que ça fasse partie de la torture. Also es war teils zu kalt, teils zu heiß, aber das war wohl weniger Teil von Volta als einfach schlecht geregelt. Et après, on passait dans un couloir et il y avait des gens qui étaient aussi des déportés. Et non, avant, on vous coupait tout à fait les cheveux et tous les poils, et puis vous devez plonger dans une vasque, il y avait quelque chose pour la désinfection. Voilà. Zuerst wurden allen die Haare abrasiert und auch sämtliche Körperbehaarung, und dann mussten sie in ein Tauchbad mit Desinfektionsmitteln. Et après, on passait dans un couloir où il y avait des gens qui étaient déportés comme nous. Et on vous jetait, vous avancez, on vous jetait une chemise, vous avancez encore un peu une veste, encore un peu un pantalon. Et à la fin, vous aviez les sabots. Hein? Also, wir kamen dann in einen Flur und sur une table, il y avait des casquettes et il fallait prendre la casquette. Und in diesem Flur standen andere Häftlinge und sie mussten also diesen Flur entlang laufen und kriegten dann nacheinander die Bekleidungsstücke der Häftlingskleidung, also ein Hemd, eine Jacke, eine Hose in die Hand gedrückt, und ganz zum Schluss kriegten sie Holzschuhe. Et puis on allait dans un bureau où il y avait des autres internés déportés qui vous demandaient le nom et votre métier. Alors mon frère était médecin et moi j'ai écrit 4e gymnasium. Also sie kamen dann in ein Bureau und mussten den Namen und den Beruf angeben. Und der Bruder war Arzt und hat das angegeben. Und Herr Salmoni hat angegeben, also, dass er Gymnasiast ist. C'était deux années que je n'allais plus à l'école. Obwohl er 2 Jahre schon nicht mehr in die Schule gegangen ist. Et enfin, on faisait une quarantaine de 2 semaines. Nous restions dans un bloc, on nous faisait une piqûre antitifique. Also danach kamen sie in einen Quarantäneblock für 2 Monate und kriegten dort eine Spritze gegen Typhus. Nous étions tout nus, la partie supérieure, et on nous piquait une dizaine de personnes avec le même. Sie mussten mit freiem Oberkörper durchstehen, und dann kriegte jeder die Spritze, und die gleiche Spritze wurde für ungefähr 10 Personen benutzt. Mais enfin, c'était rien. Après 4 ou 5 jours, et ces 2 semaines, on ne sortait pas pour travailler. Hein. Mais un jour est arrivé le bombardement. Et alors, le jour après, on a changé de baraque, de bloc, et on a commencé à travailler. Also, ich habe Ihnen versprochen, 2 Wochen war in einem Quarantäneblock. Und in den 2 Wochen haben sie das Gebäude nicht verlassen, aber dann gab es eine Bombardierung von Buchenwald, und danach sind sie rausgekommen und mussten arbeiten. On avait vu que le bombardement n'avait pas frappé les blocs, mais plusieurs internés étaient travaillés dehors, et il y avait des usines à côté de Buchenwald, vous savez, où les internés travaillaient, et il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, et comme ça. Et nous sommes allés pour faire un peu d'ordre dans
et puis à reconstruire. Also, pardon. Sie haben dann gesehen, dass dass das Lager, die Blöcke, die Baracken nicht zerstört waren, aber dass außerhalb viele Zerstörungen waren. Es gab oben auf dem Ettersberg Fabriken neben dem Lager und da gab es viele Zerstörungen, viele Verletzte, viele Tote. Und sie wurden dorthin geschickt, um aufzuräumen und wieder aufzubauen. Oui. Du premier jour, depuis le premier jour, on a vu qu'est-ce qu'on nous donnait à manger. Et c'était pas beaucoup. Enfin, le matin, on avait une tasse de café, il l'appelait café, enfin, quelque chose de noir, un morceau de pain, il y avait un pain comme ça, divisé en 6 ou en 7, selon les jours. Et un morceau de margarine et une cuillère, un petit cuillère de marmelade. Oui. Also am Morgen kriegten sie zu essen ein Getränk, es war schwarz wie Kaffee. Ein Stück Brot wurde in 6 oder 7 Teile geteilt, je nach Tag. Dazu gab es ein kleines Stück Marmelade und einen Löffel Marmelade. On se levait très tôt. Dans la quarantaine, on s'expliquait pas la raison, mais enfin, on nous appelait très tôt, mais nous n'avions plus nos choses. Hein. Nous avons laissé à peine arriver nos choses avant la douche et au revoir, on ne les voyait plus. Alors personne ne savait pas quelle heure était. Et tout de même, environ à midi, quelqu'un dit « mais on nous donnera quelque chose à manger ». En effet, on nous donnait du café. Also, Sie hatten zwar ihre Sachen alle abgeben müssen bei der Dusche und auch ihre Uhren abgeben. Und so wussten sie nicht, wie spät es ist, aber gegen Mittag haben sie dann gesagt, na, jetzt müssen wir doch eigentlich was zu essen kriegen. Und in der Tat kriegten sie was, nämlich wieder so eine Tasse Kaffee. Et comme ça, on a appris qu'il fallait tâcher de manger la moitié du pain et de tenir dans la poche un peu de pain pour le midi. Enfin, so haben sie gelernt, si on voulait. Dass es wichtig war, dass man sich einen Teil des Brotes aufhob, in die Tasche steckte, um dann mittags etwas zu essen haben, wenn man wollte. Le soir, il y avait une tasse de soupe. La soupe n'était pas grand chose, enfin, mais c'était ça. Abends gab es eine Tasse Suppe, das war nicht viel, aber so war das eben. Dans les derniers mois, le vendredi, nous avions, on sentait dans tout le camp l'odeur des je ne connais pas le mot français, mais enfin des choses grandes comme ça qui sont pour les animaux, d'habitude, râpe, on appelle. Steckrüben. Also in den letzten Monaten roch es dann eben sonntags immer besonders, das kriegte jeder sofort mit, dann gab es Steckrüben. On sentait l'odeur, mais moi je mangeais. Enfin, on se rendait compte que l'Allemagne allait en défaite, enfin de perdre la guerre. Et on voyait toujours, tous les jours, les avions des Alliés qui passaient sur notre tête. Et ils étaient 12, et pas un manquait. Alors, man kriegte dann schon mit, dass
Deutschland dabei war, den Krieg zu verloren. Denn man sah jeden Tag die Flieger und es waren immer Dutzende und es fehlten keine. Also die Fliegerverbände waren komplett. So, nous avions l'idée de que la guerre allait finir, non? Il y a eu le débarquement en Normandie, et il y avait un front français, enfin. Et, mais nous n'avions pas l'espoir de sortir vivant. Also, Sie haben dann gehofft, dass der Krieg zu Ende geht. Es gab dann ja auch die Landung in der Normandie und es gab die Front in Frankreich. Aber Sie haben eigentlich nicht gehofft, dass Sie noch lebend davon kommen. On travaillait très durement pendant la journée. Une fois, j'ai été travailler à 200-300 mètres de la gare de Weimar pour changer les rails qui étaient usurés. Et c'était un travail très dur parce que les rails sont lourds. Et nous étions encerclés par les SS avec les chiens. Et on pouvait même pas respirer un instant. Voilà. Eines Tages mussten Sie 200-300 Meter vom Weimarer Bahnhof entfernt arbeiten. Sie mussten abgenutzte Schienen auswechseln. Das war eine sehr, sehr harte Arbeit, weil Schienen sehr, sehr schwer sind. Und Sie waren also umgeben von SS-Leuten mit Wachhunden und hatten eigentlich nicht mal den Platz zum Atmen. Et à un moment donné, le commandant a communiqué que nous ne travaillons plus. Il fallait rester dans le camp. Et on appelait baraque par baraque pour partir. Eines Tages hat der Kommandant befohlen, dass die Häftlinge das Lager nicht mehr verlassen sollten. Und dann wurde Baracke für Baracke aufgerufen, um das Lager zu verlassen, um abzuziehen. Alors, nous avons vu plusieurs de nos camarades qui venaient d'autres camps, d'Auschwitz, et de plusieurs camps qui arrivaient après des marches très longues et qui disaient, il y a beaucoup de nous qui tombent et ils ont un coup de pistolet. Wir haben viele von unseren Kameraden gesehen, die aus anderen Lagern kamen, aus Auschwitz oder anderen Lagern, die gesagt haben, wir mussten sehr weit laufen und die nicht mehr konnten und gestürzt sind, die wurden erschossen, die wurden mit Pistolen hingerichtet. So kann, alors quand le commandant du camp nous a dit, nous appellerons votre bloc et vous devez vous présenter immédiatement. Est sorti un comité de résistance et ils sont venus nous dire tâchez de retarder le plus possible le départ. Nous avons vu comme qu'est-ce qu'il arrive si nous allons pour marcher ou pour être transportés dans un train et il faut essayer de ne pas partir de Buchenwald. Als der Kommandant dann Baracke für Baracke aufgerufen hat, da gab es ein Widerstandskomitee im Lager und die haben gesagt, versucht, den Aufbruch so weit wie möglich zu verzögern. Wir müssen versuchen, möglichst hinauszuzögern, dass wir das Lager verlassen müssen, denn wir wissen, was auf diesen Märschen passiert. J'ai appris plus tard que mon frère était dans le comité, mais il m'a rien dit et on n'a jamais parlé de ces choses-ci. Puis il est mort il y a plusieurs années et enfin, on n'avait pas envie de parler. Also er hat erst später erfahren, dass sein eigener Bruder in diesem Widerstandskomitee war und sie haben da nie drüber geredet, auch später nicht. Dein Bruder ist vor ein paar Jahren gestorben und sie hatten nie
das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Et moi-même, j'ai commencé à parler parce que il y avait le, disons, le directeur du groupe des internés de Genova qui m'a dit je suis malade, il faut que quelqu'un va raconter nos histoires, et alors c'est le moment où tu commences à aller dans les écoles et parler de ce que tu as, ce qui est passé, enfin. Also Herr Salmoni hat sich dann entschlossen zu reden, zu erzählen, als der Vorsitzende der ehemaligen Deportierten von Genua, von seiner Heimatstadt, ihm gesagt hat, pass auf, ich bin krank, ich kann das nicht mehr, und es muss jemanden geben, der davon berichtet. Und seitdem tut das Herr Salmoni, geht in die Schulen und berichtet davon. C'était fatigant, maintenant je me suis habitué, mais enfin... je continue. Das ist anstrengend, aber er hat sich daran gewöhnt, er hat sich darauf eingestellt, und jetzt macht er weiter. Mais c'est la première fois que je parle à l'étranger. D'habitude, je parle en Italie, dans différentes villes peut-être, mais et alors je dis aussi. Voilà, il y avait des peuples comme le peuple allemand et le peuple italien qui étaient enthousiastes pour deux hommes qui, enfin, n'étaient pas si intelligents et si prévoyants. Also, der Herr Salmoni ist das erste Mal jetzt im Ausland, um mit euch zu sprechen, und ist sonst in Italien in verschiedenen Städten unterwegs. Und er sagt, es war ihm damals so, dass das deutsche Volk und das italienische Volk von zwei Menschen begeistert waren, die vielleicht nicht so intelligent waren und nicht so vorausschauend. Le résultat était que l'Allemagne avait jamais été détruite de la façon de cette guerre, et l'Italie aussi. Und das Ergebnis war, dass Deutschland so zerstört war durch diesen Krieg wie nie zuvor, und auch Italien. Et ceux deux étaient les patriotes. Das waren Patrioten. Alors, faites attention aux gens qui sont au gouvernement. Regardez s'ils font des choses justes, bien faites, bien organisées, si l'école marche. Et décidez, parce que aujourd'hui, quand on a l'âge, on peut aller placer son vote et décider. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Also deswegen passt auf, was in der Regierung passiert, was sie dort machen, was in der Politik passiert, was in der Schule passiert, denn heute kann man durch seine Stimme bei der Wahl etwas beeinflussen. Das ist aber nicht einfach. Voilà, quand j'étais jeune, j'avais jamais entendu parler d'élections parce qu'il y avait une dictature. On faisait pas des élections. Also, als er jung war, hatte er nie von Wahlen gehört, denn es war eine Diktatur und es gab keine Wahlen. So, vous avez la chance, quand vous oseriez l'âge, d'aller, de décider pour quelqu'un. Et c'est très important. Und ihr habt also, wenn ihr dann so alt seid, die Möglichkeit, euch für jemanden zu entscheiden bei einer Wahl. Und das ist sehr wichtig. Voilà. Si vous avez des questions, je suis ici. Merci. En quelle année et à quel âge est-ce que vous aviez été déporté? En 44. Enfin, je suis arrivé. Et une année globalement de prison. Also die Frage war, in welchem Alter und wann er deportiert worden ist. 44, also ein Jahr rund in Gefängnissen, und dann von
4. août. Ja, und vom 4. August 44 dann bis zur Befreiung am 11. April 45 war Buchenwald. Et Buchenwald a été libéré le 11 avril. Et j'avais 16 ans. J'avais 16 damals. Andere Fragen? Wie viele waren Sie in dem Zug aus Italien? Also mit wie vielen waren Sie in Buchenwald? Mit wie vielen sind Sie angekommen? Vous savez combien de déportés étaient avec vous dans le train de déportation de Nous étions peu. Nous étions 24, 25. D'habitude, parce que c'était le seul wagon qui est venu à Buchenwald. D'habitude, on a fait un trajet de Milan à Forsoli, où il y avait le camp de Durchgangslager. On était 50. D'habitude, on était 50. Ça a été un voyage qui a terrible. Also das war nur ein Waggon, normalerweise waren das mehrere. Und von dem Durchgangslager Fossoli bei Mailand, da waren sie noch 50. Das war so eine kleine Gruppe. Il était terrible parce que peut-être à la prison de Milan on nous a donné quelque chose à manger qui n'allait pas bien. Alors tout le monde était avec le mal au ventre. Und die Reise war schlimm. Weil sie in Fossoli etwas zu essen gekriegt haben, was vielleicht nicht gut war, so dass also in dem Waggon eigentlich alle krank waren. Alors, le wagon était quelque chose de terrible. Alors, ja. Hat er seine Schwester? Est-ce que vous avez revu votre sœur? Non. Non. Et nous avons su, quand nous sommes rentrés en Italie. À Munich, nous avons rencontré une dame qui était l'interprète dans le camp italien et elle nous a dit ils sont partis dans la première section, ils sont allés dans la Kamera Gas, dans la chambre à gaz. Auf dem Rückweg nach Italien haben sie in München die Übersetzerin des italienischen Lagers getroffen und die hat ihnen gesagt, nee, die sind bei der Selektion in Auschwitz. Vous connaissez qu'à Auschwitz, quand les gens arrivaient, ont décidé de mettre, de faire des différences. Enfin, quelqu'un allait travailler pour quelques mois et quelqu'un autre allait immédiatement dans la chambre à gaz. Et ça a été en Auschwitz, on a gleich an der Bahn. Aufgeteilt, die noch arbeiten sollten für einige Monate und die direkt ins Gas gehen müssen. Also was hat er nach der Befreiung von Buchenwald gemacht? Also ist er nach Italien zurück oder ist er irgendwo in Deutschland geblieben? Qu'est-ce que vous avez fait après la libération? Est-ce que vous êtes rentré en Italie? Est-ce que vous êtes resté en Allemagne? L'Italie fameuse par une organisation qui ne marche pas. Et alors, tout le monde rentrait parce que quelqu'un venait les chercher avec des autocars. Et nous étions là, nous sommes restés deux mois. Et heureusement, il y avait deux internés allemands qui nous ont demandé, qui allaient à Munich, ils avaient, je ne sais pas comment, mais ils avaient une moto. Et ils nous ont dit, si vous voulez venir jusqu'à Munich, et puis vous verrez. Alors, nous avons pris la liste parce que nous avions une espèce de bureau avec quelque chose pour écrire, la liste des Italiens qui étaient là pour renseigner les familles, et nous sommes partis pour Munich. Et puis les autres sont partis en juillet et les Américains leur ont dit ça va venir la zone russe, nous vous donnons le gaz, la gasoline, mais il faut que vous cherchiez un camion pour partir. Also, er sagt,
hat er erstmal einen Witz gemacht, dass er sagt, na, Italien ist berühmt dafür, dass die Organisation nicht so klappt. Also sie sind alle sind nach Hause gekommen, weil sie abgeholt wurden aus ihren Heimatländern. Und bei den Italienern hat das gedauert, sie waren noch 2 Monate im Lager. Und schließlich gab es Häftlinge, die sich irgendwie ein Auto organisiert hatten und nach Hause fahren wollten, nach München. Sie haben gesagt, also wenn ihr wollt, nehmen wir euch bis München mit. Und da haben sie also sich eine Liste geben lassen mit den italienischen Häftlingen, um dann zu Hause eben zu benachrichtigen, wer hier noch ist. Und sind so nach Hause gekommen. Die anderen italienischen Häftlinge, die haben dann schließlich von den Amerikanern gesagt gekriegt, also hier, wir ziehen jetzt hier ab, das wird sowjetische Besatzungszone hier in Thüringen. Also wir können euch Benzin geben, aber einen Laster müsst ihr euch selber besorgen. Wurden Sie in Buchenwald von Ihrem Bruder getrennt oder waren Sie dort mit ihm zusammen? Est-ce que vous étiez séparés de votre frère, ou est-ce que vous étiez ensemble? Non, on était séparés comme travail. Moi, j'ai presque toujours, sauf le dernier mois, travaillé à l'ouvert, avec la pluie, la neige et tout cela. Mon frère, à un moment donné, a été changé, je pense, c'est l'effet du comité de résistance qui protégeait ceux qui appartenaient à ce mouvement. Et il a travaillé comme tailleur pour, enfin, pour nos pantalons, pour faire des réparations. Sie waren getrennt bei der Arbeit, weil Herr Salmoni immer draußen gearbeitet hat in der frischen Luft. Und sein Bruder war in der Schneiderwerkstatt, hat also an der Häftlingskleidung gearbeitet, hat die repariert. Und er denkt, dass das wahrscheinlich war, weil sein Bruder eben in diesem Widerstandskomitee war. Seit wann machen Sie das, dass Sie mit Schülern reden? Weil Sie gesagt haben, Sie machen das schon länger. Voudrais savoir depuis quand vous faites ce travail, que vous parlez aux élèves. Quand est-ce que vous avez commencé à aller dans les écoles? Je pense les dernières années de 1900, enfin 1998-99. Alors. J'ai oublié de dire une chose qui est très importante. Les derniers mois, je suis resté. J'ai habité dans un bloc de Français, Belges et Hollandais. Et alors, moi, je connaissais déjà le français. C'était. Enfin, ça vous donne courage de pouvoir parler un peu. Le soir avec des copains. Et tandis qu'avant, j'avais été avec les Russes, les Polonais, et c'était pas facile. On pouvait dire, on avait appris les mots pour les choses, le pain, l'eau ou les numéros, mais pouvoir parler, puis, c'est très important. Et on a trouvé une solidarité fantastique. Chacun qui était un peu mieux aidait, qui était un peu plus faible. Voilà. Also zunächst zu deiner Frage. Herr Salmoni macht es seit ungefähr Ende der 90er Jahre, dass er also über seine Haftzeit erzählt. Und er hat noch gesagt, er hat noch etwas vergessen, was er anfügen möchte. Er war in Buchenwald bald in einer Baracke mit Franzosen und Belgiern. Und weil er schon Französisch konnte, war das unheimlich wichtig für ihn, das Gefühl zu haben, mit seinen Mithäftlingen reden zu können. Denn vorher war er mit Russen und Polen in einer Baracke und das war schwer. Er hat dann zwar einzelne Worte gelernt für das Brot oder für die Zahlen, aber das reicht ja noch nicht, um wirklich mit jemandem reden zu können. Und er hat also im Lager eine unglaubliche Solidarität erlebt. Also die noch ein bisschen besser beisammen waren, haben denen geholfen, denen es noch schlechter ging. Wie viel haben denn die Häftlinge aus seiner Sicht zur Befreiung beigetragen?
Votre opinion, quelle est la part des détenus dans le camp à la libération de Buchenwald? Vous savez que les déportés avaient réussi à porter des fusils dans le camp parce qu'ils travaillaient dans une usine qui faisait les fusils. Hein. Mais moi, je ne sais pas quoi, je pense. Hein, je n'ai pas beaucoup parlé de ces choses-là. Et un soir, j'ai vu un déporté qui était un Lagerschutz, qui était important pour un déporté, être un Lagerschutz. Avec le fusil. Alors j'ai dit, alors, le lendemain, une jeep avec les deux Américains est entrée dans le camp. Alors j'étais plus tranquille. Also, es gab in dem Lager, das weiß man heute, es gab Waffen. Sie haben in den benachbarten Waffenfabriken arbeiten müssen, die Häftlinge, und haben wahrscheinlich in Einzelteilen Waffen in das Lager geschmuggelt. Und eines Abends hat Samoni gesehen, wie jemand vom Lagerschutz, also ein Häftling, die auch wichtig waren, auf einmal ein Gewehr getragen hat. Man hat also sich, war ziemlich beunruhigt, hat sich gefragt, wie kam das? Und bald darauf ist dann ein amerikanischer Jeep gekommen und das hat ihn dann schon auch beruhigt. La résistance, j'ai lu après que la résistance était très bien organisée et ce sont surtout les déportés allemands qui ont tenu le contact avec le commandant du camp. Et le commandant du camp leur avait assuré la vie, mais ils devaient porter 6 prisonniers, on leur a donné le nom de ce 46 prisonniers. Alors ils ont retardé et ils n'ont jamais porté ces gens-là. Parce que ce n'était pas facile dans le cas, vous pensez, on était 50 000 personnes quelques jours avant la libération. Et on était 20 000 quand on a été libéré. Parce que certains blocs sont partis. Ont été appelés et sont partis. Alors, il y a eu des pourparlers entre le commandant qui a dit aux prisonniers allemands « Restez tranquilles ». Mais on n'a pas cru, on n'a pas, c'était pas la vérité, enfin. Et comme ça, il y avait un plan et en effet, je pense que la plupart des SS sont partis 2 ou 3 jours avant la libération. Mais j'ai vu une centaine, et ils étaient peut-être plus, qui ont été faits prisonniers par les internés. Also, ils se sont rendus, enfin, c'est logique, parce qu'il y avait l'armée américaine là, hein, pas parce qu'il y avait les prisonniers qui étaient très forts. Mais ils sont restés là, et j'ai vu un épisode qui m'a frappé beaucoup, qu'il y avait Er hat hinterher also erfahren, dass es deutsche Häftlinge gab, die sozusagen in Verhandlungen mit dem Lagerkommandanten standen. Und der Kommandant hat gesagt, also sorgt dafür, dass das Lager ruhig bleibt, dann werdet ihr auch am Leben bleiben. Aber man muss sich vorstellen, dass das Lager zu der Zeit 50.000 Insassen hatte und dass bei der Befreiung noch 20.000 da waren. Das heißt also, das war gelogen, das war nicht wahr und deshalb war die Beunruhigung der Häftlinge natürlich sehr, sehr groß. Sí. Am Ende, denkt er, werden viele SS-Leute schon in den Tagen, bevor die Amerikaner kamen,
Flucht ergriffen haben. Was er aber gesehen hat, ist, dass ungefähr 100 SS-Leute dann von den Häftlingen gefangen genommen wurden, nachdem die Amerikaner angekommen sind. Also er sagt, ohne die Ankunft der Amerikaner wäre das nicht möglich gewesen. Da wären die Häftlinge nicht stark genug gewesen. L'episodio. Et alors, il y a eu un épisode qui m'a frappé beaucoup parce que un déporté, nous étions libres, non? Et a dit celui-là m'a battu, alors je veux lui rendre ce que j'ai reçu. Et il est entré dans cette, parce qu'il y avait du barbelé aussi, hein, mais dans le camp, il y avait. Hein, et quelqu'un du comité lui a dit nous ne devons pas nous comporter comme eux, ils auront un procès et seront jugés. Alors tu dois sortir, et il a sorti. Es gibt eine Episode, die für Salmonia sehr wichtig ist. Als die SS-Leute gefangen waren, gab es einen Häftling, der gesagt hat, also der eine da, der hat mich besonders geschlagen und an dem werde ich mich jetzt rächen, und ist in dieses Lager, in diesen abgezäunten Bereich, wo die SS eingesperrt war, rein. Und dann ist aber jemand von dem Widerstandskomitee gekommen und hat gesagt, nee, das kannst du nicht machen, wir können uns nicht genauso benehmen, wie die SS das gemacht hat, der muss seinen Prozess kriegen. Und das war etwas, was ihn sehr beeindruckt hat. Das ist eine andere Frage, oder? Qu'est-ce que vous aviez ressenti? Tu parles un peu plus fort. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez été libéré? Ressenti à la libération. J'étais content. Enfin. Also die Frage war, die nach den Gefühlen bei der Befreiung. Er sagte, ja, ich war froh. Vous avez réalisé tout de suite. Oui, on n'était pas. Il n'y avait pas une expression de joie forte parce qu'on savait que on avait prévu que les miens, mes parents auraient été tués. Donc, on ne pouvait pas avoir de l'enthousiasme total. Mais on était contents parce que. On travaillait plus, on mangeait quelque chose de plus. C'était quelque chose. Voilà. Ob er das gleich realisiert hat, dass sie nun frei waren. Und er sagte, also es war kein spontaner Freudenausbruch, weil er schon auch erfahren hatte, dass seine Eltern, seine Schwester umgebracht worden sind. Aber es war schon eine große Erleichterung. Sie mussten auch nicht mehr arbeiten, sie bekamen etwas zu essen. Das war schon ein großes Gefühl der Erleichterung. Wie fühlt sich das an, wieder hier zu sein für ihn? Also, gerade in Weimar, aber auch in Deutschland. Comment est-ce que c'est pour vous d'être de retour en Allemagne et à Weimar? C'est la deuxième fois aujourd'hui. Non. Je suis content d'être ici. Enfin, n'est pas la même chose à l'Allemagne. Also, je suis froh, dass er hier ist. Es ist nicht mehr das Gleiche in Deutschland. Je suis tranquille, je n'ai pas peur. Keine Angst, c'est ganz ruhig. Je vois de beaux visages, enfin. Mit schönen Gesichtern. Est-ce que vous portiez un numéro de détenu? Oui. Si je me rappelle le numéro. Oh, oui, oui. Ja, die weiß 44, 5, 73. Ich habe noch Fragen. Ja, je connais l'allemand très bien. Kennt er noch sehr gut. Während er dort war, welche versucht zu flüchten? Und wenn ja, was ist dann mit dem geschehen? Est-ce que pendant votre détention à Buchenwald, est-ce qu'il y avait des tentatives de fuite? Non. Je n'ai pas vu, enfin. Je n'ai pas vu, je n'ai pas.
Je n'ai pas entendu. Il y avait quelqu'un qui avait le signe d'avoir tenté la fuite autre part, je pense. Also das hat nicht mitgekriegt. Es gab einen Häftling, der hatte so ein Abzeichen. Der hatte schon einen Fluchtversuch gemacht, wahrscheinlich woanders. Also ganz kurz, es gab Kennzeichnung der Häftlinge mit Dreiecken. Das war ja auch in Kombination, zwei verschiedene Dreiecke. Und da gab es auch eins, was Ausbrecherkennzeichen. Andere Frage? Ja. Wie hat er wieder in das normale Leben reingefunden mit den ganzen Erinnerungen und den seelischen und körperlichen Folgen? C'est la question, comment est-ce que vous avez retrouvé dans une vie normale avec tous les souvenirs, avec les conséquences psychiques aussi? Non, je pense pas. Ça a joué pour ma mentalité, pour ma façon de penser. Mais oui, je n'ai pas eu de conséquences. Parfois j'ai rêvé les premiers mois quelque chose et j'ai eu un rêve où j'étais à Gênes, caché dans un camp de blé et je savais que les SS faisaient couper le blé. Et alors je suis réussi à penser que je dois les faire fuir. Et ils s'en sont allés. Alors de ce moment-là, je n'ai plus eu de rêve de... Also, es hat schon, diese Erinnerungen haben schon seine Persönlichkeit, seine Mentalität auch beeinflusst, aber er hat, meinte, keine psychischen Folgen wirklich davon getragen. Er hat einen Traum, vielleicht einen Albtraum gehabt, dass er in Genua in einem Getreidefeld versteckt ist und die SS schneidet das Getreide, um ihn zu finden. Irgendwann ist es ihm gelungen, in dem Traum die SS in die Flucht zu schlagen. Und dann war er eigentlich davon befreit. Es gibt Menschen, die haben noch immer Albträume aus dieser Zeit. Je demandais à quelqu'un pourquoi tu ne vas pas parler aux écoles et il m'a dit mais je rêve encore, je n'ai pas la force. Also er hat schon jemanden gefragt, warum redest du nicht in den Schulen? Und die haben gesagt, ich kann das nicht, ich habe immer noch diese Albträume, ich habe die Kraft nicht dazu. Je vais conseiller d'aller chez un psychologue ou quelque chose, mais je ne sais pas. C'est aussi devenu un peu votre profession, la psychologie, c'est ça? Oui, mais je ne voulais pas le traiter un copain parce que si ça ne marchait pas, non, c'était une responsabilité trop forte. Also, er hat dann in dem Fall einfach geraten, dass man sich psychologisch behandeln lässt, um diese Folgen, on vient off travail. Je lui ai dit, si tu veux en parler, on peut en parler, mais enfin. Also, er hat gesagt, wenn du darüber reden willst, können wir darüber reden, aber besser wäre es, professionelle Hilfe zu haben. Ist da noch quelques questions? Oui, okay. Haben Sie die Erinnerung irgendwie festgehalten, also im Buch, oder? Est-ce que vous avez. Écrit de vos souvenirs, est-ce que vous avez écrit un livre? Oui. Oui, j'ai écrit un livre, je l'ai porté, mais enfin j'ai une copie seulement, et j'ai déjà écrit, je la devais donner hier soir à quelqu'un qui m'a accompagné, et il a pris le livre, l'autre. Je ne peux pas vous laisser ça. Mais de toute façon, si vous voulez, je peux vous envoyer quelques copies à l'école, vous donner l'adresse. C'est en italien, pas en français. Er hat ein Buch geschrieben auf Italienisch. Ah, voilà. Da ist es. Er hatte nur eins mit und hat das signiert und hat das gestern Abend weitergegeben, aber sagt, er würde das auch gerne weitergeben. Ici, il y a des photos aussi de la famille, de moi quand j'étais enfant à l'école. Voilà, vous voyez. Mm-hmm.
Es gibt auch Fotos drin von seiner Familie, von ihm. Et j'avais la, aussi une photo avec la, la vie des fascistes. Non? Es gibt auch ein Foto von ihm mit dem. Es gibt auch ein Foto von ihm da drin, als er die Uniform der faschistischen Jugend trägt, als er 8-9 Jahre war, denn da hat er damals zugehört. Ja? Und hatten Sie irgendwie auch Rachegedanken oder wollten Sie selber gegen die Nazis kämpfen und sich irgendwie zur Wehr setzen? Est-ce que vous avez ressenti le besoin de lutter contre les nazis ou le sentiment de revanche de vous venger? Le sentiment de revanche, oui. Enfin, si un nazi vient ici, je ne suis pas très content. Hein. Enfin, mais c'est une chose qui, après, ce n'est plus le nazi de ce temps-là, hein. C'est quelqu'un qui est un peu avec la tête de certaine façon, mais ce n'est pas le nazi qui m'a surveillé, peut-être quelque chose de plus. Enfin. Et après la libération, est-ce que vous aviez ressenti le désir de vous venger des SS? Non, c'est, oui, oui. C'était pas facile, mais enfin, je cherchais personne. Also, er sagt, es war schon schwierig. Er sagt vor allem, wenn er heute Menschen sieht, die eben Rechtsradikale sind, rechtsextreme Positionen vertreten, dann hat er natürlich schon Probleme und fühlt sich unwohl, aber das ist etwas anderes als damals. Das sind nicht die gleichen, die ihn eingesperrt und bewacht haben, das sind einfach Menschen, die, ja, die ein Problem haben. Ja. Hat er noch Kontakt zu anderen Häftlingen? Also zum Beispiel auch aus anderen Est-ce que vous avez gardé le contact avec d'autres détenus, peut-être aussi d'autres présents? Dans les premières années, oui, mais on ne parlait jamais du camp. On se voyait, on parlait de quelque autre chose, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il arrive, on commentait la politique italienne du moment, mais on ne parlait pas de nos choses. Also in den ersten Jahren, ja. Aber man sprach eigentlich nicht von der Vergangenheit. Man sprach davon, was machst du, von der Familie, von der italienischen Politik. Und man hat nicht von den gemeinsamen Erfahrungen in den Lagern gesprochen. Aber hat er jetzt, also zur Zeit noch? Et actuellement, est-ce que vous avez des contacts avec d'autres camarades? Avec des fils des camarades. Also mit Söhnen von ehemaligen Beteiligten. Oui, les survivants sont... Moi, je ne crois pas à l'âge que j'ai, mais j'ai un âge très avancé un peu. Also, es ist eben, die Überlebenden sind wirklich jetzt sehr alt. Und das ist ein Problem. J'étais très jeune, alors, naturellement, la plupart sont déjà morts. Er war sehr jung und die meisten sind eben jetzt schon gestorben. Haben Sie Kinder? Est-ce que vous avez des enfants? Des enfants et des petits-fils. Auch schon Enkel. Est-ce que vous êtes partis? Ils sont venus avec moi quelques, en Italie, on fait un voyage au lag qui sont plus près, c'est-à-dire Mauthausen, Dachau. Et alors ils sont venus avec moi. Die haben ihn auch schon begleitet, mais je l'ai pas, so weit weg sind. Je n'avais pas demandé qu'ils viennent. Hein. Ils ont décidé de ne pas se faire. Er hat sie nicht gebeten mitzukommen, sondern sie wollten von sich aus mitkommen. Il y a encore une question? Est-ce que vous êtes parti à Buchenwald hier? Oui, je sais. Oui. Non, mais c'est bien maintenant. Er war gestern auch in Buchenwald bei der
bei der Feier der, des Jahrestags. C'est l'ami Sergio me rappelait une chose très importante qu'on a établie le jour de la mémoire. Le jour de la mémoire, c'est au moins en Italie, c'est une loi qu'on a fait qu'il faut se rappeler. C'est le jour de la libération d'Auschwitz, non, d'Auschwitz. Mais aussi, on rappelle les prisonniers politiques. En Italie, on a eu beaucoup de prisonniers militaires parce que les militaires italiens, on avait leur demandé de continuer à se battre avec, comme alliés des nazis. Et ils ont pas accès, ceux qui n'ont pas accepté ont été déportés en Allemagne, en Pologne. Et il y en a, sont beaucoup plus que les déportés politiques. Also es gibt noch etwas sehr Wichtiges. In Italien ist das durch Gesetz geregelt. In Deutschland gibt es das auch. Das ist der offizielle Gedenktag. Der findet statt am 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Und das ist etwas Wichtiges. In Italien ist es aber auch der Tag, wo man an die jeweiligen Kriegsgefangenen denkt, weil es davon in Italien sehr viel mehr gab als Lagerhäftlinge, KZ-Häftlinge, weil man die italienischen Soldaten vor die Wahl gestellt hat, kämpfst du mit uns oder bist du gegen uns und wirst eingesperrt. Aber das ist ein ganz wichtiger Tag, der 27. Januar, für die ehemaligen Betroffenen. Vielleicht noch ein oder zwei Fragen, wenn es welche gibt. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la politique en France, l'extrême droite. Un peu, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'extrême droite avec Marine Le Pen qui... Parce que je suis un peu... Qu'est-ce que vous en pensez de l'extrême droite en ce moment, de l'enthousiasme pas bien, des gens? Pas bien du tout. Et ça vous fait peur? C'est dangereux, enfin. C'est dangereux. C'est une réaction humaine, disons la réaction à dire il ne faut pas que d'autres gens viennent dans notre pays, même en Italie, il y a des gens qui viennent de l'Afrique ou d'autres pays. Et on dit, non, il y a quelqu'un qui dit ce n'est pas juste, enfin, il faut... Mais ça me plaît pas, voilà. Mais, enfin, c'est la question que je disais avant. Quand vous auriez l'âge d'aller voter, faites attention à ce mouvement. Ce mouvement-là frappe notre parti sauvage, voilà. Also es war die Frage danach, was der Salmoni denkt zu der Begeisterung, die aktuell in Frankreich für den Front National, für die rechtsradikale Partei von Marine Le Pen ist. Und er sagt, ja, das gefällt ihm natürlich nicht und das beschäftigt ihn auch. Und das ist die Reaktion auf dass man sagt, wir wollen nicht so viele fremde Menschen haben, auch in Italien gibt es das. Und er sagt, eigentlich gilt da genau das, was er am Anfang gesagt hat. Ihr habt, wenn ihr das Entsprecheralter habt, die Möglichkeit zu wählen und euch einzumischen. Und das ist ganz wichtig, auch um gegen solche Phänomene etwas zu tun. Es ist depuis des centaines d'années que nous ne sommes plus sauvages, mais il y a encore une partie sauvage qui... Enfin, qui sort dans quelqu'un et qui... Et alors, il faut tâcher de les faire raisonner. Also der Mensch ist eigentlich seit Jahrtausenden nicht mehr kein Wilder mehr, aber es gibt eben immer wieder Situationen und Menschen, wo diese wilde Seite herauskommt und man muss dann einfach die Vernunft sprechen lassen. Il y avait, je me rappelle Serge, que j'avais mentionné, il y a
Il y a plusieurs années, la Société des Nations qui existait avant l'ONU, je ne me rappelle pas dans quelle année, enfin les années 1930, ont demandé à M. Einstein d'écrire une lettre à M. Freud. Et M. Einstein a demandé comment ça se fait que il y a toujours des guerres qui commencent. Et Freud lui a répondu très largement, mais enfin, a cité cette partie sauvage qui est en nous, et il a dit, nous sommes très contents d'aller à l'étranger, de connaître de nouveautés, nous avons notre paradis de gens comme les anciens écrivains grecs et latins, ou même Goethe et Schiller. Il y a quelqu'un qui ne fait pas ce chemin, qui n'est pas... et qui, alors, a encore une partie sauvage trop forte. Also, zu einer Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, als es eben den Völkerbund gab, da gab es eben die Bitte an Einstein, dass er an Sigmund Freud, den Schöpfer der Psychoanalyse, schreibt und fragt, wieso gibt es denn eigentlich immer noch Kriege? Und Freud hat sehr ausführlich geantwortet und hat gesagt, ja, wir sind heute froh, dass wir andere Menschen kennenlernen können, dass wir woanders hinfahren können, dass wir lesen können, die antiken Autoren, Goethe, Schiller, all das. Aber es gibt eben auch Menschen, die diesen Weg nicht gehen können. Und bei denen immer diese wilde Seite wieder hervorbricht. Und das wird es wahrscheinlich lange geben noch. Il disait que c'est un long chemin que l'humanité doit faire avant que tout le monde soit tranquille et considère un étranger une personne valable. Es wird wahrscheinlich noch ein langer Weg sein, bis die Menschheit also auf diesem Weg der Zivilisation so vorangeschritten ist, dass alle beruhigt sind und ja, sich auch gleichwertig fühlen. C'est peut-être un bon moment de finir, de vous remercier beaucoup. Je crois que vous avez remarqué que les gens étaient très attentifs et ça les intéresse beaucoup. Donc, merci beaucoup d'être venu. Ich habe mich in eurem Namen bedankt, dass er jetzt hier die lange Zeit zur Verfügung gestellt hat, euch geantwortet hat und habe gemerkt haben, dass ihr sehr aufmerksam seid, sehr interessiert und dass euch das Thema sehr umtreibt. Also nochmal ganz herzlichen Dank an den Herrn.